que le Seigneur vous bénisse, mes très chers frères et très chères sœurs, ainsi que toutes les personnes qui nous écoutent, qui prennent leur temps pour écouter cet audio, où nous allons apprendre beaucoup de choses, beaucoup de règles, pour apprendre à vivre une vie meilleure devant le Seigneur, pour plaire au Seigneur en tout. Comme on m'a posé beaucoup de questions, je vais essayer de répondre à certaines d'entre elles. Je vais donc commencer en donnant la réponse de choses qu'on me demande. Je sais que les personnes qui me posent ces questions, il s'agit de personnes récentes. Elles n'appartiennent pas à l'Assemblée, à l'Église. En ce moment, elles sont en train de commencer à écouter la parole du Seigneur, la doctrine, et c'est pour cela que je vois que surgissent ces questions. Mais pour vous tous, avec un grand plaisir, avec tout mon amour, j'essaierai de vous éclairer du mieux possible tous vos doutes. Par exemple, la première question ou la première inquiétude est « Que sont les extraterrestres ?» Donc, les extraterrestres, ce sont des êtres spirituels, des êtres qui ne sont pas physiques, ils n'appartiennent pas à ce globe terrestre. Il s'agit d'esprits. Rappelons-nous que Dieu, lorsqu'il a châtié le diable, il l'a jeté de sa présence. Il dit qu'il a envoyé le diable et tous ces millions et milliards d'anges qui le suivaient. Et ces anges se sont convertis en esprits. Donc ils se trouvent tous dans l'espace. Et c'est pour cela qu'il y a eu beaucoup de personnes qui ont vu ces visions, disons-le ainsi, et vivent tout ce genre d'expériences avec des êtres surnaturels. Et les personnes pensent qu'il s'agit d'extraterrestres ou d'ovnis ou de comètes. Bon, on leur établit tellement de noms. Bon, que les personnes établissent tous les noms qu'elles veulent, mais moi je veux éclairer celui qui me pose la question, il s'agit d'esprits. Et eux, comme ils ont du pouvoir, ils peuvent se déguiser et peuvent se transformer en n'importe quel personnage pour tromper les personnes, pour que les personnes puissent être là en train de croire, en train de penser qu'est-ce que ceci, qu'est-ce que cela. Mais vous ne vous inquiétez pas pour cela. L'important, c'est avoir Dieu dans notre cœur afin que tous ces êtres, tous ces esprits ne viennent pas perturber notre paix, notre vie et nous ôter ou nous dérober la spiritualité que nous devons avoir avec le Seigneur. Voilà par rapport aux extraterrestres. Il s'agit d'esprits. Une autre question. Donc là, vous allez vous rendre compte que nous allons changer de thème à plusieurs reprises. L'autre question qu'on m'a posée, c'est par rapport à la réincarnation. Si la réincarnation existe. Parce que Jean-Baptiste avait l'esprit d'Élie le prophète. Alors, je vais vous répondre très rapidement. La réincarnation n'existe pas. Il n'y a pas eu de réincarnation dans Jean le Baptiste lorsqu'il dit qu'il a travaillé et qu'il était en train de se manifester avec le pouvoir d'Élie. Ce que Dieu a donné à Jean-Baptiste, c'était la portion d'esprit de Dieu que Dieu avait donné à Élie pour qu'il fasse des miracles, des prodiges, pour qu'il ait ce pouvoir. Dieu a donné à Élie une portion de son esprit. Lorsque Élie a disparu, il est mort, cette portion d'esprit, Dieu l'a conservée et il l'a réservée pour le donner à Jean-Baptiste. C'est pour cela qu'il dit que lorsque Jean-Baptiste est apparu en train de travailler, en train de prêcher sur le Seigneur Jésus-Christ, sur le royaume des cieux, on dit qu'il avait l'esprit d'Élie, mais il s'agissait de l'esprit et le pouvoir de Dieu, la portion de l'esprit de Dieu qu'Élie avait reçue à ce moment-là. Et de même, Jean-Baptiste en a été rempli. Donc là, il n'y a aucune réincarnation. Cela n'existe pas. Le Seigneur Jésus, de manière très claire, l'a enseigné lorsque toute personne meurt, lors du jugement final, tout le monde devra comparaître devant la présence de Dieu pour le jugement. Certains iront à la vie éternelle et d'autres iront dans la géhenne. Voilà ce qu'enseigne la Bible. Un autre sujet, une autre question. Quelqu'un me demande aussi, que sont les liens? Qu'est-ce que cela signifie?
Les liens ou les chaînes, ce sont des empêchements qu'une personne peut avoir pour s'accroître spirituellement. Il s'agit d'obstacles, de faiblesses, de vices même, que la personne a, et la personne ne peut pas prier, ne peut pas chercher Dieu, ne peut pas lire la Bible, ne sent pas d'allégresse dans son cœur, n'a pas de joie, n'est pas motivé, car il y a quelque chose qui est en train de l'attacher ou de la nouer pour que son cœur puisse être disposé pour servir Dieu et glorifier le nom de Dieu. Donc, ce vice ou cette attache, ce lien que le diable a établi dans le cœur de la personne se convertit en cela, en des chaînes, en des empêchements, en des attachements, et la personne lutte pour chercher Dieu et n'y arrive pas. La personne lutte pour changer et s'éloigner du péché et n'y arrive pas. Voilà ce qu'on appelle des liens, des empêchements, des attachements. Donc pour les personnes qui souffrent de ces problèmes-là, priez Dieu et demandez à Dieu qu'il vous libère. Et dites des « Seigneur, délivre-moi, ôte tous ces empêchements, tous ces attachements qu'il y a en moi qui m'empêchent de te chercher avec tout mon cœur, en esprit et en vérité. » Bien. Une autre question qu'on m'a posée. Qu'est-ce que la prédestination? Car ces personnes qui ont lu la Bible par rapport à la prédestination, c'est quelque chose qui s'est produit avant quelque chose d'autre. C'est parce que Dieu nous a choisis, ou Dieu a fait l'univers, il a créé le monde, avant d'avoir créé Adam et Ève. On dit que Dieu avait déjà tout créé avant, là-bas dans le ciel, là où il demeure. Dieu avait déjà tout fait, la crucifixion aussi, le salut, les âmes, l'Église, tout ce que le Seigneur a fondé jusqu'à présent, tout avait déjà été fait avant avec Dieu, avant que l'univers fût créé. Lorsque Dieu a créé Adam et Ève, il avait déjà tout fait avant, dans ce côté céleste, dans ces lieux célestes, il avait déjà fait cela et nous avait déjà choisi. Dieu est puissant et il peut faire toutes ces choses. Alors c'est pour cela qu'il dit que nous sommes prédestinés, que nous avons été choisis bien avant que puisse exister l'homme et la femme sur la terre. Nous avons été prédestinés à une vie éternelle, à gagner le salut, pour être avec notre Dieu. Voilà ce que signifie ce mot « prédestination ». Bien, maintenant nous allons encore changer de sujet. Certaines personnes ou certains frères et sœurs me consultent et me disent que durant ce temps que nous sommes en ce moment même, le mois de décembre, le dernier mois de l'année, lors du mois de décembre, certaines personnes réalisent beaucoup de fêtes, les personnes ont beaucoup de présages, de croyances, de coutumes, que les personnes préparent beaucoup d'aliments. Les personnes se préparent aussi pour offrir des cadeaux, des présents, ou préparent beaucoup de plats spéciaux. Bon, les personnes font beaucoup de choses. Et certains frères et sœurs me demandent, alors, moi qui vis avec mes parents, eux, ils n'appartiennent pas à l'église, ou moi je vis avec mes oncles ou avec mon époux et il ne va pas à l'église, ou vice-versa. Ou moi je vis avec mon épouse et le reste de la famille ne va pas à l'église, je suis le seul. Alors, que fait-on avec tous ces repas, avec toutes ces réunions? Eh bien, dans ces cas, agissez avec beaucoup de prudence. Ne négligez pas ou ne rejetez pas un plat de nourriture. Soyez intelligent. Tout simplement, vous n'allez pas participer aux prières que ces personnes réalisent ou réaliser des chants qui font allusion à des saints ou à des saintes ou à des images ou à des idoles, à rien de toutes ces choses. Tout simplement, vous n'y participez pas, mais vous pouvez recevoir la nourriture, car vous devez être bien élevé dans cet aspect. Puis, il y en a d'autres qui me demandent aussi, ce qui se produit, c'est que j'appartiens à l'église. Nous sommes de l'église, mais nous avons des commerces. Et dans nos magasins de vente, car durant ce dernier mois de l'année, ce mois de décembre, il y a beaucoup de marchandises qui font allusion justement à Noël, comme par exemple la vente d'images, d'idoles, de luminaires, de saintes, de saints, faisant allusion à Noël, des crèches aussi. Donc on me demande, est-ce que cela est mauvais?
que nous sommes dans notre commerce en train de vivre toutes ces choses? Alors, pour moi, je pense que oui. Pour les frères et sœurs de l'Église, pour les personnes qui appartiennent à l'Église, qui se sont déjà converties et ont compris le plan de Dieu, savent ce qui est bon ou mauvais. Donc, il est très mal que dans vos commerces, vous puissiez vendre ce genre d'articles. Le saint, la sainte, ou par exemple, l'image du petit Jésus, ou de la Vierge, ou de Saint Joseph, ou les anges, toutes ces images, toutes ces décorations de saints et de saintes qui faisant allusion à ce mois de Noël, alors pour les frères et sœurs de l'Église, cela est mal vu que vous puissiez vendre ces choses qui vont contre la doctrine. Et Dieu viendra à vous, mais pour que vous lui rendiez des comptes. Car vous n'avez pas de conviction. C'est un manque de confiance, d'assurance en Dieu, de croire et de s'adonner réellement à Dieu. C'est un manque de connaissance et de doctrine. Alors, Dieu ne va pas vous bénir. S'il s'agit d'une personne en particulier qui n'appartient pas à l'Église, il ne s'agit pas d'un frère ou d'une sœur de l'Église, à son propre commerce et vit ce genre de produit, alors peut-être Dieu ne va pas les châtier, car ils ignorent la doctrine. Mais ceux qui la connaissent, alors gardez-vous et vendez plutôt d'autres produits qui n'ont rien à voir avec l'idolâtrie, car Dieu est très jaloux et vous le savez que Dieu est un Dieu jaloux. De plus, vous n'allez pas prospérer, vous n'allez pas progresser, vous n'allez pas recevoir des bénédictions de Dieu. Si vous êtes obstiné, ambitieux et juste pour obtenir des meilleures ventes, vous allez vendre toutes ces choses et c'est comme une façon d'encourager ou de renforcer l'idolâtrie d'une certaine façon. Alors, cette question, c'est pour les frères et sœurs qui me demandent qui ont ce genre de commerce. Il y a aussi d'autres personnes, d'autres frères et sœurs qui vivent aussi ou vont seuls à l'église. Disons que toute leur famille ne vont pas à l'église. Certains vont à l'église et d'autres non. Et on me demande, bon, maintenant, les mariages se présentent dans l'église de la religion untel. Il y a des mariages, il y a des baptêmes, il y a aussi la première communion, etc. Alors, comme il y a cette division dans mon foyer, car certains appartiennent à l'église, d'autres non, alors il y aura des disputes, des querelles dans la famille. Alors, que devons-nous faire? Alors, si vous êtes un croyant de l'église, mais dans votre maison, dans votre foyer où vous vivez, une grande partie de votre famille, que ce soit l'époux, l'épouse, les parents, les enfants, et que ces derniers doivent réaliser ce genre d'événement dans une église nommée XY et veulent réaliser une fête, un banquet, une nourriture, alors vous vous demandez, dois-je participer ou pas? Alors je vous dis, de manière prudente, participez à la nourriture, au banquet, à la fête, à la réunion. Oui, vous pouvez y participer, mais ne participez pas dans le lieu ou l'endroit spécifique où va se réaliser une célébration d'un culte dans cette religion XY, peu importe la religion qui n'appartient pas à notre Dieu en esprit et en vérité. Alors, il serait correct que vous n'assistiez pas à ces endroits-là, car le Seigneur va vous ôter des bénédictions, il ne va pas vous aider, il ne va pas vous tendre la main à cause de cela, car Dieu est jaloux. Alors, soyez sages, intelligents. Si vous êtes chez vous, recevez les nourritures et manger. Mais par exemple, il y a, disons, un couple marié qui a leurs enfants. La femme va à l'église, est partie connaître la parole du Seigneur, connaît les choses de Dieu, connaît l'œuvre de notre Dieu. Mais l'époux n'appartient pas à cette église et appartient à une église traditionnelle, disons-le ainsi. Alors, lui oblige son épouse à baptiser leur enfant. Alors, dans ce cas, ma sœur, je vous conseille de ne faire aucun effort pour réaliser des réunions, des fêtes, même pas établir une somme d'argent pour réaliser cette festivité du baptême ou la première communion, car vous voyez que cela n'est pas droit devant Dieu. Tout cela, ce sont des inventions appartenant aux religions traditionnelles qui ont inventé tout ce genre de choses pour obtenir de l'argent de toutes les personnes. Alors ne participez pas en donnant de l'argent et non plus en train de préparer un festin.
Laissez votre époux réalise tout, que ce soit lui qui paye tout, qu'il range la maison, qu'il achète la nourriture, qu'il réalise la fête, qu'il fasse absolument tout. Vous, vous vous asseyez et sûrement à un moment donné, on va vous servir un plat de nourriture, mais vous n'êtes pas en train de participer à toutes ces choses. Et vice versa, si c'est l'époux qui va à l'église en train de chercher les choses de Dieu, le véritable évangile de notre Seigneur, et l'épouse est obstinée qu'elle doit absolument faire la première communion à ses enfants, alors que l'époux fasse la même chose. Vous lui dites, je ne vais pas te donner de l'argent pour tout. C'est vrai, tu verras comment tu vas réaliser toutes ces choses, cette fête. Moi, je ne vais pas y participer car moi, je vais à l'église où je cherche un Dieu vivant, un Dieu en esprit et en vérité. Et je veux que Dieu me bénisse. Alors, je ne vais pas offenser Dieu avec toutes ces choses. Donc, vous pouvez le faire de cette façon. Que chacun réalise sa propre fête avec ses propres moyens économiques. Cela, il faut le faire, disons, avec beaucoup de sagesse, avec beaucoup d'intelligence. Car comme il y a tant de croyances religieuses, surtout par rapport aux religions traditionnelles, qui ont un grand pouvoir sur les personnes, alors tout le reste de familles, de personnes, seront contre ce pauvre frère ou cette pauvre sœur, ou contre ce jeune, et tous deviendront ennemis. Alors agissez avec prudence dans tous ces aspects. Mais essayez aussi de plaire à Dieu. Car l'important, c'est plaire à Dieu. Une fois que nous connaissons la doctrine, nous devons plaire à Dieu. Il y a aussi une autre question qu'on me demande par rapport aux superstitions. On me dit qu'il existe tant de présages, des présages et des croyances. Il y en a des milliers dans le monde. Car il existe des croyances et des superstitions dans toute l'Amérique latine. En Europe aussi, aux États-Unis, il y a des croyances. Les personnes s'adonnent aux enchantements. Certains croient à une chose, d'autres à d'autres. Et nous n'aurions même pas le temps d'énumérer toutes ces choses qui existent. Mais vous savez, qu'est-ce que nous faisons en tant qu'enfants de Dieu, en tant que serviteurs de l'Évangile du Seigneur Jésus-Christ? Nous devons nous éloigner de toutes ces choses. Ne pas croire en ces choses, ne pas faire attention à toutes ces choses, ne pas déposer notre cœur en ces choses, car c'est ce qui déplaît à Dieu. Nous devons être réalistes, pratiques, nous devons avoir un cœur pur, ne pas croire à toutes ces choses. Par exemple, il y a des gens qui font attention au changement de lune, et les personnes disent qu'avec le changement de lune, alors, doivent se couper les cheveux. Ou s'il y a la pleine lune, il faut faire ceci ou cela, ou sinon les cheveux ne vont pas grandir, ou ne pas semer des graines dans le champ, car la lune, je ne sais pas dans quelle position doit être, ou il ne faut pas récolter les fruits si la lune n'est pas ainsi, ou en quart de lune, ou en demi-lune, ou en pleine lune. Et les personnes commencent à avoir des superstitions et des présages en toutes ces choses. Ne soyez pas esclaves de toutes ces choses, de tous ces présages, de toutes ces croyances. Ne tombez pas sous cette servitude. Soyez direct, soyez pratique dans la vie et soyez mature dans votre manière d'agir, de vous comporter, de faire les choses. Soyez logique, déposez une logique à toutes les choses et vous allez voir comment vous n'allez pas souffrir et vous n'allez pas faire souffrir les autres. Alors soyez pratique et réaliste. Et ne croyez pas à toutes ces choses qui n'ont aucune tendance pour que ça soit quelque chose qui soit utile dans notre vie spirituelle ou pour notre joie ou pour notre paix. Non, rien de ces choses vont nous aider à obtenir la paix, la joie ou la bénédiction de Dieu, mais nous éloignent de Dieu. Alors, il faut commencer à être réaliste et nous oublier de tous ces détails, que les couleurs ou qu'il faut s'habiller de cette couleur parce que ça sera la chance ou pas. Tout cela, il faut l'abandonner, car ce sont des mensonges, ce sont des inventions du monde, des inventions, des traditions, du diable. Depuis le commencement, le diable a inventé toutes ces choses pour tromper les personnes. Alors, ne soyez pas esclaves de toutes ces choses. Et je voudrais vous lire aussi certains versets dans Apocalypse 18. Ici, dans Apocalypse 18, l'Apocalypse, c'est le dernier livre de la Bible, dans le verset 2, ici, dans Apocalypse, on parle d'une femme, d'une prostituée, qui a le nom de Babylone. Mais cette Babylone, réellement, il ne s'agit pas d'une ville physique ou d'un pays physique, mais cette Babylone, il s'agit d'un symbole.
C'est le symbole, disons, de la réunion de tant d'hommes et de tant de femmes dans le monde qui se sont dédiés à réaliser le péché, pour vivre dans le péché et offenser Dieu. Alors, cette femme babylonienne, dans cette manière symbolique et métaphorique, est en train de représenter le péché, la méchanceté de toute l'humanité, de toutes les religions, de toutes ces religions éloignées du véritable Dieu. Car nous disons qu'il existe des milliers de religions, mais toutes ces religions ne sont pas avec Dieu, n'ont pas Dieu avec elles. Alors tous réunis, tous ensemble réalisent la méchanceté. Et l'assemblée de toute cette méchanceté, de toute cette humanité dans le monde, se sont unis en un seul nom que Dieu a établi en cette femme, en cette prostituée, en cette Babylone. Donc ici, dans Apocalypse, je vous invite à lire pour que vous puissiez voir tout ce qui se dit sur Babylone. Vous allez vous rendre compte que cette Babylone ou cette femme qui n'est pas physique, mais il s'agit d'une symbologie, c'est un symbole. Cette femme s'est remplie de méchanceté, de péché, a rassemblé tous les péchés et la méchanceté pour aller contre Dieu et un jour Dieu va la châtier. Elle va obtenir une fin, un châtiment lors du jugement final. Donc, dans ce verset 2, ou par exemple, je vais vous lire ici, dans le verset 15 du chapitre 17, où il parle de cette prostituée, c'est-à-dire la même Babylone, il dit que l'ange avait dit à Jean, à l'apôtre Jean, qui était en train de voir les visions, Dieu était en train de lui montrer beaucoup de choses qui allaient se produire dans le monde où nous vivons. Que l'ange a parlé à Jean, et ici, dans le verset 15 du chapitre 17, l'ange dit à Jean, « Les eaux que tu as vues sur lesquelles la prostituée est assise, car il dit qu'il a vu cette femme assise sur beaucoup d'eau, et regardez le symbole. » Ici, l'ange lui a expliqué, « Les eaux que tu as vues sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. » Comme vous pouvez vous rendre compte, le symbole de cette femme, de cette prostituée ou de cette Babylone. Ici, dans le chapitre 18, verset 2, il dit que l'ange a crié d'une voix forte en disant « Elle est tombée, cette Babylone est tombée. » Restez très attentif à cette Babylone, ce qu'elle était, cette femme. Il dit qu'elle est tombée, Babylone la grande, elle est devenue une habitation de démons. Les démons sont ceux qui habitent dans cette prostituée, dans cette femme, dans cette Babylone. Car c'est le cumul et l'assemblage de toutes les méchancetés, de tous les péchés de l'humanité qui sont venus contre Dieu. C'est pourquoi il dit qu'elle est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux. Regardez la grandeur de cette prostituée, du péché, comme je vous le disais, que dans le monde, l'ennemi a semé tant d'idolâtrie, tant de présages, de croyances et de traditions pour éloigner les personnes du chemin de Dieu. Et ici, Dieu dans l'Apocalypse est en train de mentionner que tous ensemble allaient former une prostitution. C'est pourquoi il dit qu'une habitation de démons, un repère de tout esprit impur, et si nous observons dans le monde est rempli de sorcellerie, d'envoûtement. Dans tout le monde, dans tous les pays, abondent toutes ces malédictions. Tout cela, ce sont les esprits impurs en train de travailler, en train de réaliser la méchanceté les uns contre les autres. Les personnes en train de réaliser la méchanceté aux autres, en train d'utiliser tous ces démons et tous ces esprits impurs. Et on dit qu'il s'agit de cette Babylone. Et dans le verset 11, il dit que cette Babylone, ou cette prostituée, qui est une habitation de démons, qui est un repère de tout esprit impur, c'est l'habitation de tout oiseau impur, de toute chose abominable,
Il dit dans le verset 11 que les personnes, les êtres humains ont commencé aussi à réaliser des marchandises, à être marchands de cette même femme, de cette même croyance, de cette même idolâtrie, de cette même ensorcellerie, envoûtement, péché, de tout genre de choses ont commencé avec les marchandises, les êtres humains. Et comme j'étais en train de vous le dire, les frères et sœurs qui ont leur commerce en train de vendre tout ce genre de marchandises, idoles, images, peu importe le nom qui est donné à tous ces objets, voici ici ce que dit le verset 11. « Et les marchands de la terre pleurent et sont dans le deuil à cause d'elle, de cette femme, de cette prostituée sur cette Babylone. » Parce que personne n'achète plus leur cargaison. Ce qui signifiait ici que la fin arrivait à cette prostituée, le châtiment où elle allait être lancée à cet étang de feu. Et on dit que plus personne n'allait acheter ses marchandises et les marchands allaient se lamenter, allaient beaucoup pleurer car ils n'allaient plus vendre leur cargaison. C'est pourquoi il parle ici des cargaisons d'or, d'argent, de pierres précieuses, de perles, de fin lin, de pourpre, de soie, d'écarlate, de toute espèce de bois de senteur, de toute espèce d'objet d'ivoire, de toute espèce d'objet en bois très précieux, en airain, en fer et en marbre, de cinnamome, d'aromates, de parfums, de myrrhe, d'encens. Vous voyez, tous ces parfums de vin, d'huile, de fines farines, de blé, de bœufs, de brebis, de chevaux, de chars, de corps et d'âmes d'hommes. Il dit que même la cargaison se trouve dans les âmes d'hommes, ceux qui vendent leur âme au diable et ceux qui achètent les âmes au diable, les marchands. Alors comme vous pouvez le voir, si nous lisons tout ce chapitre 18, voici ce que nous sommes en train de voir et en train d'observer dans toute cette humanité. Et les personnes, et tout ce genre de personnes, tous ces marchands utilisent les jours spéciaux que se sont inventés par rapport aux fêtes, par rapport aux saints, aux saintes, aux vierges, et tout ce genre de choses en train de s'inventer des naissances ou la naissance de Dieu. Mais quelle naissance de Dieu si Dieu n'est pas un enfant? C'est un être qui n'a pas eu de début et n'aura pas de fin. Dieu est esprit. Il n'a eu aucune naissance. Et dire qu'il naît en décembre, c'est blasphémer le nom de Dieu. Mais tout cela, comme vous pouvez le voir et l'écouter, il s'agit de marchandises. Et les marchands, ceux qui sont chefs de tous ces établissements en train de vendre tout ce genre de produits, en train de promouvoir la croyance aux autres personnes. Mais chacun, pour son ambition de l'argent, peu leur importe plaire à Dieu, mais ce qu'ils veulent, c'est vendre leurs produits, leurs choses, sans faire attention que cela, ils ne doivent pas le faire. Ils ne vont pas manquer de faim. Dieu leur donnera d'une manière ou d'une autre pour pouvoir vivre et ne doivent pas promouvoir et encourager tout ce genre de produits qui ont un rapport avec l'idolâtrie et le fait de s'éloigner de Dieu. Alors, il s'agit d'une courte réflexion que je suis en train de vous faire, car je pourrais m'étendre à parler de tant de choses, mais là, je me suis donné une limite pour donner une réponse à vos questions, et en train de lire ici sur Apocalypse, sur les cargaisons, sur tout ce que les personnes font éloignées de Dieu, tout cela à cause de l'ambition. Pour que vous puissiez vous rendre compte, tous ceux qui ont cru en le Seigneur, nous devons nous éloigner de tout cela. Plaisons à Dieu et vivons une vie droite devant lui. Et ne nous inquiétons pas car nous n'allons pas manquer de faim. Pourquoi devez-vous vous plaindre et dire « Ah, moi je voulais être là-bas dans ce banquet avec eux car voici ce qu'ils font, c'est beau. » Non, Dieu avant tout. C'est pourquoi Dieu dit qu'il faut aimer Dieu par-dessus toutes les choses. Alors, il faut nous sacrifier tout d'abord Dieu et ensuite nos plaisirs, tous nos grands délices par rapport à la nourriture, à la danse, à la décoration, par rapport à toutes ces choses, par rapport à tous ces idoles, il faut l'abandonner. Et ceux qui aiment les produits ou qui les fabriquent, gardez-vous, soyez vigilants, car Dieu sera toujours là, soit pour châtier ou pour bénir. Bon, nous allons donc prier Dieu pour qu'il nous donne l'intelligence, la sagesse et qu'il vous révèle
qu'il puisse vous révéler le véritable chemin. Et si vous avez encore des doutes, priez Dieu et demandez à Dieu. Dieu, révèle-moi, montre-moi, enseigne-moi par rapport à ce que je suis en train de faire car je veux te plaire. Et Dieu va vous enseigner. Il va écouter votre prière pour que vous puissiez plaire à Dieu. Nous allons donc prier notre Dieu. Père céleste, éternel Dieu, merci éternel Dieu. Tu as créé le ciel et la terre. Tu nous as créés avec ta main toute puissante. Et toi, Seigneur, tu nous as donné des rois, des ordonnances, des commandements. Tu nous as enseigné, tu nous as dit que nous ne devions pas vénérer des idoles ou des objets ou beaucoup de choses, de créatures, en train de les suivre, de les servir comme si c'était notre Dieu. Car tu nous as enseigné qu'il n'y a qu'un seul Dieu véritable, c'est toi, un Dieu vivant, puissant, un Dieu d'esprit et en vérité. C'est pour cela, Seigneur, je te demande que tu nous aides. Regarde, Seigneur, toutes les personnes qui écoutent l'enseignement, car ils veulent apprendre de toi. Aide-les, Seigneur, chaque homme, chaque femme, que dans leur cœur, ils puissent sentir ce désir d'apprendre, de suivre ton chemin et de sortir de l'ignorance, du péché. Je te demande, mon Père, que tu tendes ta main, que tu les aides, que tu les bénisses, que tu les délivres. Rompt tous ces jougs d'esclavitude, toutes ces tromperies du diable, tous ces liens avec lesquels ils sont liés. Ôte toute sorcellerie, tout envoûtement, pour que tu déposes en eux l'intelligence, l'entendement, la sagesse et puissent comprendre ton chemin, ta véritable parole. Donne-leur, envoie-leur des rêves, des visions, enseigne-leur, mon Père Saint. Sois miséricordieux de toutes ces personnes, de ces âmes qui te clament, qui te demandent de la miséricorde. Béni soit notre Dieu éternel. Tends ta main sur tous ceux qui sont malades. Délivre, guéris, mon Seigneur. Guéris l'âme aussi. Donne-leur la connaissance de ta véritable doctrine, de ton véritable chemin qui mène à la vie éternelle. Merci, mon Père. Écoute tous ces besoins, je te le demande, au nom de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, pour que tu sois miséricordieux de chacun d'entre nous. Accompagne-nous et conduis-nous toujours vers la lumière, vers ce chemin de la droiture, que nous puissions vivre une vie droite, remplie de bénédictions, de triomphes, de victoires dans notre vie spirituelle, que nous puissions avoir la paix, l'allégresse dans notre être et que nous puissions ainsi offrir la paix aux autres, que nous soyons un bon exemple, un bon témoignage dans le monde envers toutes les personnes qui nous entourent. Merci, bénis toutes les personnes, donne-leur la délivrance, la bénédiction, prospère les enfants aussi, donne-leur la guérison, car il y a beaucoup d'enfants qui sont malades. Enseigne et guide dans le sentier de la droiture. Merci Seigneur, au nom glorieux de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, je te demande tout cela Seigneur, que l'honneur et la gloire soient pour notre Dieu et pour toujours. Nous allons chanter au Seigneur le cantique 202, il s'agit d'un nouveau cantique, c'est un cantique nouveau qui ne s'est pas encore enregistré et qui n'est pas sorti encore dans les CD, et nous allons chanter pour pouvoir apprendre la mélodie, il s'agit du cantique 202 qui s'intitule « Ma pensée, c'est toi, Seigneur. » Mi pensamiento eres tú, Señor. 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 Porque tú eres mi buen pastor, me alimentas con tu amor, y tu palabra me da vigor, seguro estoy. Porque tú eres mi buen pastor, me alimentas con tu amor y tu palabra me da vigor, seguro estoy. Mi pensamiento eres tú, Señor. 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 Porque tú eres mi buen pastor, me alimentas con tu amor
y tu palabra me da vigor. Seguro estoy, porque tú eres mi buen pastor. Me alimentas con tu amor y tu palabra me da vigor. Seguro estoy. Gloire au Seigneur. Merci beaucoup, mes très chers frères et très chères sœurs. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt. Je vous aime en le Seigneur.